Bonjour, je m'appelle Marie-Joseph Jude et nous allons écouter Pierre-Marie Gasnier dans la Polonaise Fantaisie opus 61 de Chopin. Thank you.
Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très très beau. C'est vraiment une œuvre très intéressante sur le plan de la forme et de la liberté, en fait, de tout ce que Chopin nous propose comme temps différent et comme esprit, caractère. D'une manière générale, je trouve que parfois, il y a des incohérences de tempi. C'est-à-dire que parfois, tu vas tellement loin, justement, dans l'arrêt, parce que c'est suspendu à un fil. Et je trouve que la frontière entre quelque chose qui est suspendu et quelque chose qui s'arrête est très ténue. Ok, Donc, il faut juste faire attention, parfois, à ne pas aller trop, trop loin dans le rien, quoi. Je pense qu'il y a quand même toujours une direction à donner, quand bien même justement on est dans l'expectative de quelque chose. Et parfois tu ajoutes presque des points d'orgue ou des ralentis qui sont, à mon avis, peut-être pas forcément utiles dans le déroulement de l'œuvre. Une chose très très importante, par-ci par-là. On a toujours tendance à s'appuyer beaucoup sur les basses parfois qui donnent du corps. Faut juste faire attention, Chopin n'aimait pas du tout qu'on accentue ses basses. C'était vraiment une volonté qu'on retrouve dans toutes les œuvres parce qu'il met un point systématiquement sur toutes les basses. Tu as remarqué? Il met toujours un petit point. Donc je pense que vraiment ce point, il est à prendre en considération parce qu'il y a une vraie volonté de ne surtout pas appesantir l'harmonie. Et de fait, par exemple, si je prends ce passage-là où le premier. Le premier climax, on va dire. En fait, ces accords-là, qui sont en contretemps, ils sont harmoniquement très très importants. Et c'est vrai qu'on a tendance à s'appuyer sur ces bonnes basses en fait qui nous rassurent, mais qui vont finalement appauvrir considérablement l'harmonie. Donne un petit côté fanfare, quoi. Oui, ça donne quelque chose qui n'est en fait pas le bon caractère. C'est vrai que le caractère un peu noble et héroïque, épique, souvent dans cette Polonaise fantasy, il faut juste faire attention de ne pas tomber, voilà, dans quelque chose d'un peu trop facile quelque part. On va reprendre le début. Alors toutes ces harmonies égrenées, c'est très intéressant parce que je vois que tu leur donnes chacune une couleur différente. Quand on est dans l'exposition, donc la première fois qu'on entend, c'est moi je les ferais simples en fait. C'est simplement l'émanation de l'accord. C'est tout. C'est pas thématique. Donc je pense que vouloir leur donner une trop finalement de signification, alors que finalement c'est juste l'accord. C'est tout. C'est comme un développement en fait de l'harmonie qu'on entend. Vouloir leur donner quelque chose systématiquement d'un peu expressif. Oui, C'est un peu satisfait. exactement, exactement. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et c'est vrai que là, je trouve, en tout cas, pour l'exposition, c'est important d'être pur, tout simplement dans l'autorité de l'harmonie, hein, dans ce côté ouverture quasiment. En tout cas, on plante le décor, ce qui est sûr. Et finalement, ça commence à parler, je dirais, ici. Là, par contre, c'est. Parfois, il y a un petit peu de verticalité dans le chant, dans les phrases. Parce que tu veux, ça part toujours d'une très bonne intention, tu veux tout dire. Et quand on veut tout dire, il faut jamais oublier les inflexions de la voix. Ça reste toujours vocal. Donc quand tu chantes, par exemple, ça, tu vas vers le ré, ensuite il y a un diminuendo, forcément. Par exemple, ici. Et
écoute le phrasé, écoute les intervalles, et essaye de ne pas faire sol, la, do, si, fa, sol, do, fa, sol, si, la, sol. Tu vois, trop linéaire, en fait. Il y a plus de, oui, il y a plus d'inflexion. Tout ce qui va donner du relief à ta phrase lui donnera plus de sens. Okay. Alors évidemment, il faut que tu définisses la note importante, la note vers laquelle tu tends, comme quand on parle. Quand on s'exprime, on sait, la pensée est toujours devant, et donc on sait vers quelle syllabe on va aller. Et finalement, si on n'appuie pas la bonne syllabe, on se fait pas comprendre. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que si tu appuies tout, tu ne donnes pas la clé à l'auditeur. Alors, juste les deux premières mesures, simplement pour écouter cette harmonie et peut-être la laisser vivre, tout simplement. Et puis après, ça, directement. Alors, est-ce que est-ce que en toi, tu fais ta-dam pam ou alors ta-dam pam? Est-ce que tu t'es posé la question? Vers où tu vas? Est-ce que tu pars de ça? Ou est-ce que tu vas... Parce que là, pour l'instant, tu les fais un peu identiques. Okay. C'est pour ça que je te pose la question. D'accord. Il faudrait plus le deuxième, parce que c'est la version longue. C'est ça. On est d'accord. On va vers le deuxième. On a besoin de sentir ta-dam-pam. Okay.